Bonjour. Dans le cadre des trucs et astuces de l'orthographe, aujourd'hui nous allons voir comment écrire correctement le pluriel des mots qui se terminent en aïe. Donc la règle la plus simple, c'est que un mot qui se termine par AIL va s'écrire au pluriel avec un S. Maintenant, il y a un certain nombre d'exceptions qu'il faut absolument connaître par cœur, comme les mots bail, corail, émail, fermail, soupirail, travail, ventail et vitrail, qui au pluriel se terminent par AUX. Donc maintenant, je vous propose de mettre cette règle en application à l'occasion des 10 exemples suivants. Exemple 1, tous les travail ou travaux s'achèvent avant l'été. On dira couramment, c'est un mot bien connu, tous les travaux, AUX, s'achèvent avant l'été. Exemple 2, je connais ce dossier dans ses moindres détails ou détails, non, détails. Il ne fait pas partie des exceptions. Donc je connais ce dossier dans ses moindres détails. Exemple 3. Avez-vous admiré les différents corail ou coraux exposés? Ce sera une exception, coraux, AUX. Avez-vous admiré les différents coraux exposés? Exemple 4. Il a installé trois épouvantails ou épouvantaux dans son jardin. Épouvantail ne fait pas partie des exceptions, donc on lui met un S. Donc il a installé trois épouvantails dans son jardin. Exemple 5. J'aime beaucoup tous ces chandails ou chandos. Le mot chandail ne fait pas partie des exceptions, donc au pluriel, il prend un S. Donc j'aime beaucoup tous ces chandails. A-I-L-S. Exemple 6. La qualité des émails ou émaux utilisés est remarquable. Émail fait partie des exceptions, donc au pluriel, s'écrit A-U-X, émaux. Donc on dira, exemple 6, la qualité des émaux utilisés est remarquable. Donc, émaux, E accent aigu, M-A-U-X. Exemple 7. Le sous-sol est éclairé au moyen de deux soupirails ou deux soupiraux. Soupirail fait partie des exceptions. Donc, au pluriel, s'écrit A-U-X. Donc, le sous-sol est éclairé au moyen de deux soupiraux. Exemple 8. Comment fabriquez-vous vos gouvernails ou gouvernaux? Gouvernail ne fait pas partie des exceptions listées ici, donc ça s'écrira au pluriel en suivant la règle de base, c'est-à-dire avec un S. Comment fabriquez-vous vos gouvernails AILS? Exemple 9. Cette cuve est montée sur des rails ou raux. Rail ne fait pas partie des exceptions, donc son pluriel sera simple, et donc avec un S. Rail, R-A-I-L-S au pluriel. Exemple 10. Cette église à de magnifiques vitrails ou vitraux. Vitrail est une exception, donc le mot vitrail a un pluriel en AUX. Cette église a de magnifiques vitraux. Donc voilà qui termine ce 10e et dernier exemple, et qui par la même occasion termine ces trucs et astuces de l'orthographe consacrés au pluriel des mots qui se terminent en AI. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres trucs et astuces de l'orthographe ou d'autres cours sur NetProf. Au revoir.